Pays d'Haïti a fait face à un gros raté carburant, ça a les gaz là. Situation s'est arrivée à cause de gangs qui passent suspendre tout qui connaît dans le niveau 3e circonscription de Port-au-Prince, côté transporteur dans difficulté pour traverser la route nationale numéro 2. Nous connaissons qui mène dans le terminal Tor et Varea. Restez branchés, nous allons porter plus de détails pour vous. Gros salutations pour toutes super branchés. Nous entrons la caillou pour nous porter une autre vidéo pour vous. Nabzou, merci parce que vous branchez et Nabzou, bienvenue sur Appel fait ça. Je ne dis le pays d'Haïti a fait face à un gros raté carburant. Ça a eu le gaz là. Nous connaissons la situation ça arrivé par rapport avec la tension qui gagne dans le niveau 3e circonscription Port-au-Prince, côté gang Tibois, Aptoke Konyo et gang Gravine. Ça qui empêche les transporteurs de traverser la route nationale numéro 2 pour prendre gaz pour venir livrer dans la pompe. Donc, c'est pour ça que nous allons analyser, pas déplacer, n'a pas retourner. Situation nous aujourd'hui dans le pays d'Haïti, côté majorité dans la pompe, surtout qui trouve dans la zone métropolitaine, n'a pas gagné essence, ça veut dire pas gagné gasoline ou bien diesel ou du moins d'autres produits dérivés. Son situation qui résulte de conflits qui existaient entre deux groupes gangs qui trouve dans la zone 3e circonscription Port-au-Prince ou bien et zone sud capitale haïtienne dans niveau Mantissan. Nous déjà un côté Tibois, yon l'autre côté Gravine, deux groupes ça qui t'a toqué connio fait en pile de gars, en pile moun te mouri, nous tout te comme ça et en pile kay boulé et jusqu'à présent on pas un bon parti dans population qui obligé à prendre refuge dans centre sportif Carrefour là. Donc par rapport avec situation tension ça qui gagne dans niveau sud pays. Ou bien jeune transporteur yo même yon en difficulté pour traverser zone Matissan pour rendre dans terminal Tor ak Vareux côté c'est là où t'a prend produit pétrolier et puis pour livrer dans respire. Donc une situation comme ça nous connaît normalement la bien de graves conséquences sous pays. Or nous connaît dépendance pays d'Haïti par rapport à produit pétrolier ça yo et dépendance là est sous toute forme. Donc on est pétrole là son produit importé lié, OK? Donc pays n'est pas raffiné pétrole. Bien que il y ait des informations qui fait quoi Haïti son pays qui gagne pile pétrole là-dedans, mais jusque là nous pour arriver nos niveaux côté nous t'a échappé de dépendance nous par rapport à l'international dans ça qui pour avec pétrole. Donc dépendance ça est sous plusieurs formes. Donc nous dépendons de produits importés hein, mais tous les produits finis arrivent dans terminal yo, une sorte de dépendance par rapport à transporteur qui doit prendre produit hein, dans terminal yo pour livrer dans tout reste pays. Donc, situation qui gagne dans le niveau 3e circonscription Port-au-Prince, il restreint non seulement la population pour vaquer librement avec l'occupation, mais tout il mettait de restrictions sur les transporteurs qui sont supposés prendre des produits dans le terminal pour livrer dans le pays. Donc, nous connaissons normalement le pétrole sont produits transversal lié. Ça veut dire qu'on n'a pas quelques facteurs qui dépendent de lui directement. Nous prenons exemple transport, nous prenons fonctionnement usine, production énergie et etc. Donc tout ça c'est des facteurs qui lié avec produits pétroliers et que si produits pétroliers à un moment de la durée yo gagne de variation là-dedans ça a gagné de incidence plutôt grave sur fonctionnement et population dans son ensemble. Or nous connaît terminal yo, on voulait parler de terminal Tor à terminal Vareux. Nous connaît deux terminal ça yo gagne proximité avec zone tension yo avec zone et normalement qui en conflit, on voulait parler de Tibois et Gravine. Donc par rapport à proximité et terminal yo à zone tension, il y a une difficulté pour rendre accessible produits pétroliers et dans différents pompes nous connaît qui gagne dans la capitale haïtienne ou du moins dans ville de profession. Parce que pas oublier si zone Matissan li bloqué, donc pas de circulation, pas de transport qui possible, nous connaît capitale là en paquet l'autre département a une difficulté pour renflouer tête yo en produit pétrolier. C'est vrai, nous avons gagné un bon parti dans le côté sud pays qui est capable de gagner accès à produits pétroliers. On veut parler de sud, grandance et sud-est. Parce que nous connaissons ces deux zones qui ne sont pas trop concernées dans le cadre de livraison carburant qui est absorti dans le terminal Tor avant. Parce que même c'est juste prendre la route sud de l'Empouille, on continue à aller et sans avoir besoin de retourner pour Port-au-Prince, donc pour passer dans la zone Mantissan. Donc là, plus ou moins, il y a même exempt de situation de tension qui gagne. Et dans la zone 3e circonscription. Donc, je ne vois pas, c'est vrai, zone, ça n'a pas de difficulté pour avoir accès avec produits pétroliers. Mais nous connaissons tout. Il y a plein d'autres zones dans le pays qui ont de grandes difficultés. Par exemple, Port-au-Prince en particulier. Nous prenons tout, on dit, l'Artibonite, et département centre, département nord, nord-ouest, nord-ouest. Donc, c'est ensemble département ça qui est censé affecter et par rapport
par rapport à la difficulté qui gagne pour transporter ou traverser et zone sud pays qui pour mener au terminal ton Akvaru. Et par rapport à non disponibilité de produits pétroliers, on va venir joindre une pression sous demande là et ça va le faire prix flamber. On va joindre une hausse dans prix produits parce que il pas disponible. Donc monde qui gagne éventuellement capable faire marché noir avec donc et ça qui va compliquer un peu plus situation population nous connaît qui déjà fait face à de graves crises tant sur le plan politique, économique, sanitaire et maintenant on vient de jouer un gros problème gaz dans le pays. Donc par rapport à une situation comme ça, nous imaginons dans qui difficulté et population qu'a retrouvé. Et maintenant qui position autorité par rapport à situation. Donc on est le conflit était fait éclater Antibois et Granville quelques jours après et soit environ 5 jours après autorité est sorti dans silence, tu prend Martissant pour yo et troisième circonscription pour yo, yo t'ai essayé à marcher vérifier et puis yo t'ai dit bon situation li sous contrôle. Grand pile monde qui pas croire dans déclaration autorité qui te veut faire croire situation li sous contrôle et nous t'étendre information côté gagne de monde qui t'a essayé franchir zone Martissant et nous dans qui difficulté yo t'ai trouvé parce que groupe gang yo même pas de chômage yo t'ai toujours là et autorité yo même qui t'ai dit yo t'ai présent. C'était archi faux, pas vraiment une présence policière. Et jusqu'à présent, nous avons des difficultés. On est toujours présent parce que nous avons même des transporteurs qui ne peuvent pas traverser la zone et Martissan pour livrer et produire dans le reste du pays. Donc, après l'autorité, on finit de dire tout le bagage sous contrôle. Gang yo même défié l'autorité de l'État. Ils ont montré ça, l'État a dit c'était bobine. Pas question, l'État prend contrôle dans 15 zones. Et qu'on a mis des restrictions sur la circulation, on sait de biens, on sait de et produits dans le pays. Donc, je dis, on a parlé de transporteurs. Qui pas qu'à traverser les zones Martissant pour entrer dans la capitale haïtienne. Mais dans le jour qui vient, la situation est plus compliquée si l'autorité n'a pas essayé de faire une réponse appropriée face à la situation. Parce que nous connaissons comment Port-au-Prince dépend tout de provinces en matière d'alimentation. Nous connaissons pile de produits alimentaires, de pile de produits agricoles. Nous connaissons dans les zones provinciales. Donc, je disais, on a parlé de pétrole là, qui rentre, ok, dans ces deux zones. Mais on dit si la situation n'est pas améliorée, et ce n'est pas seulement de pétrole nous allons parler, nous allons parler d'une série de denrées qui n'est pas disponible dans la capitale haïtienne et dans la zone côté européenne, l'absence été gaspillée à cause de deux groupes qui bloquaient la troisième circonscription pour le président dans le l'État, sans l'État pas qu'à dire. Sinon, ces autorités au niveau ministère du Commerce et de l'Industrie qui sortent une note pour faire connaître, ils font un virement 19 millions de dollars sous compte BB Energy, une compagnie américaine. Pour livrer 220 000 barils de gasoline. Parce que c'est vrai, situation qui gagne dans la zone Martissant, li restreint accès et à transporter pour livrer pétrole dans tout le pays. Hein. Mais tout, dans le niveau terminal, il y a une rentrée de gasoline. Ça veut dire autorité au niveau ministère du commerce, il fait connaître, et très prochainement, il y a 220 000 barils qui est arrivé dans le terminal pour full tank pour capable de rendre. Gasoline est disponible. Pour diesel, pas vraiment de problème dans le terminal. Il y a diesel en réserve, mais pour gasoline, il n'y a pas. Donc, il y a même eu fait demande pour une cargaison de gasoline qui est entrée dans le pays. Donc, je dis, nous faisons constat. C'est vrai, pas en pile, mais il y a un produit dans le niveau terminal. Il n'y a pas qu'à livrer, transporter, pas qu'à prendre à cause de l'insécurité. Donc, il y a 220 000 barils de gasoline qui peuvent entrer. Donc, quelle stratégie l'État va développer pour rendre accessible les produits pétroliers dans le reste du pays? Gasoline n'est pas disponible et puis toujours une difficulté pour la population jeune produire parce que zone Martissant si c'est consacré me garantit et dans jour qu'a venir bagayo a plus grave maintenant et population dans tout population nous connaît les habitués avec phénomène rareté et carburant ça et on dit c'est presque chaque année on toujours jeune et à un moment de la durée où jeune pas gain pétrole dans pays hein on rareté des fois on connaît même parler surtout autorité on connaît même parler de rareté artificielle ça veut dire et c'est deux groupes soit qui sont ces responsables gestion pétrole là qui créent une sorte de rareté pour capable créer et de difficultés pour capable créer de tensions dans le pays hein. Donc la autorité souvent qu'on parle de rareté artificielle la population c'est les mêmes qui qu'on fait les frais donc là je dis c'est pour une rareté artificielle liée une rareté tout bon sont évidences liées en raison de conflits qui gagnent dans zone troisième circonscription Port-au-Prince donc population les mêmes c'est les mêmes qui continuent à payer pour casser hein. Donc après aujourd'hui là après dans tout pour passer je ne sais ling moun capitaine un petit goût de gaz pour acheter et pas cadre faire nous pour acheter et des fois on prend ligne dans soleil chaud pour acheter gaz
Ça veut dire qu'il y a une population qui déjà fait face à toute qualité de problème. Et vu jeune jour d'hier, de groupes qui ont réglé causes, qui ont réglé intérêts. Donc, situation, il a créé ces populations encore une fois, qui ont fait les frais. Donc, ça veut dire chaque jour passé, au lieu de vous avoir une amélioration dans la situation de vie, dans la situation de vie population, mais où est-ce compliqué, la compliqué davantage. Donc, je dis, sans qu'à dire, il y a de bon temps pour l'autorité établie, tu prends des initiatives pour être capable de libérer accès à la zone 3e circonscription de Port-au-Prince. Donc, zone ça, c'est une zone stratégique liée. Il y a des échanges qui ont fait, et il y a des communications qui ont fait, surtout au niveau transport. Donc, c'est mal vu pour depuis plus de 10 jours pour une zone stratégique comme ça, bloquée pour pas une autorité faire des interventions pour rétablir la paix dans la zone. Ou je un côté, les gens qui habitent la zone sont obligés de déplacer. On l'autre côté, ou je joue un passage qui n'a pas gagné pour transporter yo, et transporter gaz distribué dans tout le pays. On joue un rate gaz. Donc, enfin, la population dit li bouke. Donc, autorité ballon dans pied nous. Donc, si terminal yo, yo gen gaz la dedans, donc c'est à nous même autorité pour nous permettre accès, pour nous permettre transport gaz là. Donc, pas contre comment nous va le faire. Parce que si nous sommes capables, nous avons fait déjà. Si nous avons une possibilité pour nous faire toute gang entrer dans tout yo, nous avons fait déjà. C'est parce que nous n'avons pas capable une réponse à gang qui fait nous quitter. Qui fait nous quitter, c'est qui fait nous quitter à couper racher. Qui fait nous quitter à couper racher dans bab nous. Ça ne va pas dire yon mot, mais population beaucoup de parle dit pas capable encore. Donc situation pénurie dans affaire pétrole qui gagnent, bah pour pas arriver pour même phénomène galon jaune dans tourner encore côté chaque monde en galon dans mais on va chercher un petit goutte gaz non pompe. Donc bah pour situation pas arriver si pétrole là, si carburant, si gasoline, diesel yo disponible dans terminal yo, c'est avant moucher l'état, c'est à ou même moucher l'état pour prendre décision, pour prendre responsabilité pour faciliter transport pétrole pour faciliter transport carburant dans pompe. Parce que automatiquement pas gain accès à produit carburant yo, à produit pétrole yo, ou va joindre prix au mouté, ou va joindre course machine mouté, ou va joindre manger mouté parce que pas oublier de dire produit pétrole yo c'est le produit transversal yo, ça veut dire gain pile l'autre dérivé qui dépend de produit pétrole. Ça veut dire situation population, situation socio politique et économique pays déjà assez grave. Donc autorité yo li important pour nous agir, important pour nous porter une solution. Et groupe rival, groupe qui est en conflit, groupe qui est en goumé entre eux. Il faut connaître ces haïtiens, messieurs. Il faut connaître ces haïtiens, tout ça n'a fait, on fait pour intérêt pays, on fait pour intérêt semblable, on fait pour intérêt frère, on fait pour intérêt monde qui vivent dans la même communauté avec nous. Parce que si on vit dans une communauté, si c'est haïtien, on vit dans un pays. Nous. Donc, il est fort difficile pour chaque jour, c'est nous-mêmes qui mettons tristesse. Dans la population qui a mis désolation parce que nous avons des âmes dans le monde. Donc l'État prend responsabilité, ou même tout qui a des âmes dans le monde, qu'on est payé, c'est pour oublier, qu'on leur fait mal, c'est fort leur fait mal, c'est haïtien pareil, c'est pour étranger, qui fait mal, c'est même fort, c'est même sang, c'est même propre sang qui fait mal, haïtien pareil qui fait mal. Donc nous ne pouvons pas parler trop, nous avons campé là. Nous vous remercie parce que vous avez accordé nous, on partit dans le temps pour tendre nous. Nous sommes Wilson Octavius, nous vous à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!